Et bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve sur World of Final Fantasy plus exactement. Et on va aller à la ville d'Agartha. Ça me fait marrer ce nom, hein. Agartha, Agarthal, enfin Agartha qui est qui est dans la mythologie. Alors déjà il apparaît dans Secret World comme étant l'arbre du monde. Les racines du monde, tout ça, tout ça. Et à la base, ça vient de la mythologie nordique, où c'est le monde intérieur, me semble, Agartha. Je sais plus exactement comment il est défini. Ou c'est peut-être l'arbre au monde, je sais plus. Que se passe-t-il ici? Une fois que les mechas ont conquis une ville, celle-ci est rongée par leur présence, voilà. Mais il y a des mirages ici aussi, soyons prudents. D'accord, oui, c'est un peu le bordel. Bonjour. Ah, un truc là. Un carnet de journaliste. Bon, il va sauter sur ma gueule, je suppose. Bon, je peux les esquiver. Ce bâtiment au milieu, le sac à... Le sac... Tu veux donc voir des poissons? Dans un aquarium. Sacrarium, prenons garde au mirage. La prophétie pourpre n'a rien prévu de tel pourtant. Voilà, on y est. Je vais pas affronter les bestioles dehors. Je me suis dit que bon. Hein. Ok. C'est des gens. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Dis-moi, qu'en est-il du cristal des âmes? Ou en extraction? Ouais, c'est des gens. Presque 40% de la population. Alors, les architectes, c'est horrible! Voilà la vraie nature du système de la Fédération. Je me disais bien qu'ils étaient louches, mais de là, imaginez ça. Les architectes bâtissent un monde meilleur. Meilleur, mais pour l'armée Bahamut seulement. Les architectes peuvent vivre une existence confortable, à l'abri des conflits et de la famine. Oui, car leurs âmes sont changées en cristal. Ils demeurent pour l'éternité dans la résidence de Bahamut. Effectivement, à l'abri des conflits et de la famine. Une vie nonchalante à l'abri du besoin, leur seul rôle étant de fournir de l'énergie. En gros, ils tiennent la promesse, mais qui se moque? Lana a raison, c'est absolument infâme. Selk, tu étais au courant? Oui, j'ai intégré ce sacrarium autrefois. Sérieux? Ah, ils sont pas morts du coup. Au début, je les croyais, je suis devenu l'architecte. Et puis on m'a amené ici. J'étais à deux doigts de voir mon âme transformée. D'accord, donc elle est venue, mais elle a refusé. Par chance, le système est tombé en panne et j'ai pu m'enfuir. Mon âme était blessée, mais on m'a recueilli. La Shinra m'a soigné et protégé. Ah, marrant qu'ils mettent la Shinra en positif. Quand on a su la vérité, nous avons décidé de nous rebeller contre la Fédération. Cependant, jusqu'aux troubles récents, nous n'avions pas réussi à nous introduire dans un sacrarium. Mais nous savons maintenant. Ces bâtiments sont des entrées vers leur résidence. Vraiment? Mais alors, ces chaînes, elles transportent le cristal? En effet, le cristal extrait des âmes est... Le cristal extrait des âmes est transporté dans la résidence par le biais de ces chaînes. C'est bizarre. Comment va-t-on faire pour passer par là, nous aussi? De ce que nous savons, seuls les gigantus peuvent le faire. Hein? C'est Wayne qui nous a expliqué ça. Elle a pris chemin pour s'y rendre. Elle y est allée? Cette voie doit servir aux soldats de Bahamut. Seuls les gigantus, se contrôlant les mirages, peuvent l'emprunter.
C'est pour ça que... Ouais, faut qu'on y aille. Lan? C'est clair, non? S'il n'y a que nous qui pouvons le faire, pas d'hésitation. C'est vrai. C'est décidé, on leur mène la clé et on sauve le monde. Comme ça, même si nous avons déclenché tout ça, on se rachètera un peu, j'espère. Si vous ne vous sentez pas au point, vous n'avez qu'à attraper d'autres mirages. Le monde est toujours plongé dans l'ombre, bah pour l'instant, ça va aller. Comment vous voulez avoir l'air sérieux avec un pingouin qui vous suit en s'enfonçant sur le ventre? Sérieusement, 2 minutes! Mince quoi, ma crédibilité! La clé de feu dans une clé. Ah bah oui, mais ça on connaît, oui. Ok. Ok. Bah au moins c'est rapide, hein. Ça, je m'attendais à ce qu'ils doivent grimper aux chaînes ou une connerie comme ça. Non, TP, allez hop. Ah, on est loin de l'ambiance du début, hein. Pouic, 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 pouic. D'accord, l'un côté ou l'autre, ça va au même endroit. Mais bah, il n'y a pas de quoi de ce côté, est-ce qu'il y en a de l'autre côté? Ça m'étonne qu'il y a... Je m'y attendais tellement pas que j'ai sursauté. Mais l'horreur. Ah ben... Espèce de petit côté doré, le... Espèce de golem, là. Bon, bah y a pas d'avoir de coffre, donc tant pis. Allez, on avance. J'ai oublié comment on invoque la monture. Il y avait une monture normalement, mais alors comment? Ah, mais oui, c'est des chaînes, c'est pour ça que... Oui, on est dans les chaînes en fait. C'est pour ça qu'il y a des espèces d'anneaux, tout bêtement. Ça, oui. Je pense que côté bestiole, je suis pas trop mal. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'elle disait à propos des mirages en disant qu'elle avait à parler de plus costaud. Ça fait quand même des grosses chaînes hein, pour qu'on puisse se balader dans les maillons comme ça. Raté. Et c'est barré. Ah bah tant pis, on va le tuer hein. Ah non.
On a pu capturer l'autre et pas celui-là. J'ai pas regardé ce qu'il leur fallait, mais vu que ça a été des dégâts pour le premier, je sais pas. C'est bizarre. J'espère que nous pourrons rattraper Owen, notre autre sœur. Non, le coffre est de l'autre côté. Je savais qu'il y aurait des coffres. Est-ce pas un gouin qui sort sur le ventre? J'en peux plus de ce bestiau. Ils sont beaux ces chats. Ils sont plus beaux que les miens. Bon, je suppose que le mien, je peux le faire changer de couleur. Hein, donc, ça sert à rien que je récupère un niveau. Hein. Voilà, un petit coffre. Avec une méga potion, bah c'est pas si mal. C'est gros et dégueulasse à droite là. Ouais, on est d'accord. Voilà. Ah non, c'est juste un. Je me pète les doigts n'importe où. Ah. Rain ? Où es-tu passé ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais je veux qu'on fait quelque chose. Tiens, on m'appelle. Ah. Toi aussi, tu me laisses ? Voilà. Mais sérieux là ? Je dois faire quoi ? Je dois faire quoi ? Bon, on le laisse un peu. Ça t'empêche, je t'empêcherai pas. Les deux qui se foutent de sa gueule, quoi. À vous alors, c'est un téléporteur normal, j'en ai déjà vu plein comme ça. Bon, arrête de faire comme si t'avais pas eu peur. On va pouvoir s'en servir pour aller là-haut rapidement, donc... Et maintenant, si tu vois encore des mécanismes inconnus, demande-moi avant d'y toucher. Compris? D'accord, hop. Je viens de te dire de ne rien toucher. Lan? Ouais, ouais, je vais faire gaffe. Mais il est adorable. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Ça va être foudre. Ouais, on va tenter de la foudre. Foudre feu. Ok, pourquoi pas. Non, non. Extra feu. Et lui, je crois qu'il a... Il a vraiment pas d'attaque. Vu que c'est elle qui a les soins, faut, franchement, faut qu'à un moment je change quelque chose dans la composition là parce que ça va pas en fait. Ou faut que j'ai plus de sorts sur l'autre quoi. Parce qu'il y en a un qui est toujours full mana et l'autre. Après, ça peut me servir pour les invocations de Méga Mirage donc. D'en avoir un qui est toujours full, c'est pratique. Il faiblit un moment ou...
D'accord, alors j'espère que ça n'a pas shooté la vidéo. Un instant. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement dans le doute parce que vu que mes logiciels de travail décident de s'allumer en plein milieu, c'est pratique. Voilà, ah non. Faudrait que je monte un peu les. Est-ce que j'ai des points d'XP à monter? Ça va peut-être un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Vous allez me dire, on n'a pas beaucoup XP sur les tours précédents. Sphérié. 3, 6, ah, peut-être. Inflige, mais par contre, par exemple, c'est un sort qui l'aura pas. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les montées d'XP. Magie. Ah, ça, c'est bon, ça. Rapidité. Très bien, ça aussi. Parce que ça, il le garde, même si on n'est pas sur le bon. Lui, il a rien. Hein. Oui, il en a un. Tiamiat, ça me tendrait qu'il y en ait. Ah, bonus de force. Écoutez, on prend. Hein. On va pas faire les mauvaises bouches. Par exemple, celui-là, les éclairs de foudre, il l'aura pas. Parce que flamme, par exemple, il l'a pas. Bizarre. Bizarre, il l'a. Je sais pas du coup. Pour Sonic, il l'aura pas. Par contre, augmenter les PV. Ça, c'est intéressant. Et il y a de la force après pour augmenter. Force magie. Ouais. Tac. Bah, les autres pour l'instant. Hein. Le chocobo, je sais même pas pourquoi je l'ai. Vie, pourquoi pas. Voilà, comme ça j'ai débloqué sa dernière. Histoire de dire que je l'ai fait. Monter la force. Voilà, maintenant il a. Je peux le monter là-dedans, mais bon, à la limite, de toute façon. C'est pas prévu que je le prenne. L'œil flottant. Bon, je fasse évoluer lui. Ça a rien de le garder à cette forme-là. Hein. L'autre est plus puissante, je pense. Hein. Le vampire. Esquive. Pourquoi pas? Ou cette garde pour ton empire. Oui, c'est pareil, je peux le faire évoluer, mais de toute façon, je vais pas les utiliser. Donc, après, c'est quand même bien de se dire qu'ils sont évolués. C'est plus joli. Précision. Augmente les dégâts des compétences. Bon, ah ben, t'as pas assez de. Ouais, y a pas masse de points à mettre. Hein. Ah! C'est quoi ça? Que sert mon tueur hors combat? Ouais. Ah, j'ai pas débloqué la forme? Bah voilà. Alors oui. Et en bas, c'est un optis. Pourquoi il le veut pas? Il veut pas. Et max. Tout petit, quoi. Tiens. Très bien. Ouais, bon, bah, on va le laisser comme ça, de toute façon. L'idée, c'est d'arriver à l'amener au bout pour débloquer. Celui-là, mais on l'a pas encore.
Et Cerber et Behemoth, on peut leur faire quoi? Précision, peut-être pas. Je préfère augmenter sa magie s'il y a moyen. Rapidité, magie. Meilleure lente. Placement libre. Bah, on va mettre à l'écrou parce qu'on peut pas le prendre. Il n'y a pas assez. Bah, on va attendre. Je voulais que je vous dise. Allez voir sur le Behemoth ce qu'on peut faire. On augmente la force. Il était pas assez fort notre Behemoth, vous avez raison. On augmente les PV. On passe le cap des 10 000. Météore de riposte, je peux pas encore le prendre. On va mettre les PV, allez. Voilà, voilà. Bon, du coup, je sais pas, il y a 3 téléporteurs, alors je teste. Ah, on est arrivé par celui-là. Attendez. Ça, c'est celui qu'on a appuyé et que du coup, ça nous a téléporté là-haut, là où ils étaient. Et du coup, là, on a les 3. Je vais désactiver, a priori. Donc, on va aller sur celui là-bas. Ok, bah allons-y. De l'autre côté, s'il y a un coffre, il n'y a pas l'air d'avoir de coffre, mais il y a un téléporteur. Ah, bah oui. Bah oui. Bon, par contre ça va être long si on retourne dans les chaînes. On n'a pas croisé un point de sauvegarde depuis le début en passant. Du coup là-bas au bout, il y a un coffre, il y a quelque chose. Il y a aussi un téléporteur. Putain, ça va être là. Ça va être un bordel ce truc. Si ça s'avère trop long, à un moment je couperai peut-être. Hein. C'est pas grave, ça me fait XP, mais c'est un peu long quoi. Donc, c'est pas les combats qui vous intéressent, on est d'accord. Enfin, je pense pas que ce soit les combats, du moins, comme ça, les combats de passage. Vous allez y arriver, on a confiance en vous. Enfin, un peu quoi. Il leur rate mon stop. Eh ben bon sang. Allez, vous allez y arriver. Il doit lui rester 2 points de vie, mais vu qu'il n'arrive pas à monter son... sa... son esquive, et bah, il y arrive pas.
Bon. Merci. Ouais, c'est sûr. Ah, écoutez, je sais pas où je vais. Globalement, ah, c'était pas ça. Visiblement. Je pense que ça fasse grand chose, mais bon. Il n'y a pas une attaque de zone, là. On va changer de type tout de suite parce que défoncer celui-là, celui qui est pas buffé, voilà. Ah, en plus de capturer, hein. Ah, on l'a eu. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Non, c'est pas ce que je voulais. Ouais, défense. On va mettre tout le monde hein, au max, voilà. Allez, tu le finis. Ah bah. Et tu le rates, hein, sinon c'est pas drôle. C'est censé la battre là. Vous êtes sérieux? Il a encore combien de vies? J'étais persuadé que c'était le prochain coup là quand j'ai dit. Eh ben bon sang! Fallait insister hein! Ce Mirage monture à 3 roues est capable d'attaquer très rapidement. Lui au moins n'aura pas de problème pour faire des créneaux impeccables. Ah bah ça. Magnaouleur. A priori on va pas le garder, hein, donc. C'est juste pour l'avoir. Donc ça, ça désactive. D'accord, donc quand ils sont désactivés. Ok. En fait, celui qui était désactivé tout à l'heure, c'est parce que on avait invoqué la bestiole avec. Du coup, il y en a un sur deux qui doit être valable à chaque fois. On risque pas de se perdre, c'est l'avantage. Au pire, on se prend juste des combats sur la tronche. Ah bah. Je suis désolé, Réré. Hein, pourquoi? J'en peux plus, je vais abandonner. Ça a l'air d'être drôlement long. Mais c'est bien trop tôt pour renoncer. Allez, si Eowyn nous l'a fait, on doit pouvoir y arriver, nous aussi, je pense. Mais c'est vrai que vous avez vu encore tout ce qui reste? Eh ben, on n'est pas sorti, hein. Donc moi, c'est comme ça que je l'avais vu, de l'extérieur. C'est à aucun moment, je pensais qu'on allait monter par l'intérieur. Et du coup, je sais pas trop si du coup c'était bien l'intérieur des chaînes, parce que là, on atterrit sur les chaînes, ok, mais ça me semble moins large vu de l'extérieur, donc. Qu'est-ce que c'est, là? Il y a un gros truc au milieu. Bon, c'est juste un rocher. C'est juste un rocher qui nous empêche de passer, donc on utilise le... D'accord. Ça nous évite de faire tout le chemin, je suppose. Il nous téléporte au fur et à mesure. Ah, on retourne à l'intérieur. Ouais, bah pourquoi pas. Tama, tu peux nous parler des chevaliers d'Exnovem? Ce sont des scélérats qui ne cherchent qu'à semer le chaos dans les mondes de Dame Chronos. Les rats, ce sont des ordures, gros. Ça va de soi.
C'est fermé des deux côtés. Ah non, d'accord. Si vous m'inversez la façon dont on va à la caméra, moi je suis perdu. Hein. Là, il y a quelque chose ou pas? Ouais, il y a un coffre. Avec un méga phénix quand même. Ça valait le coup de faire un petit détour. Réduire ses PV. D'accord. C'est pour ça qu'elle est dangereuse. Par contre, je pense que je risque de la tuer, voilà. C'était le risque, hein. Ça va être long! Mais... laissez-moi passer, bande de vilains! J'allais dire, il montre des signes de fatigue depuis tout à l'heure, il devrait déjà être... Mais en fait, il en pose, c'est que j'empoisonne en fait. N'empêche que le poison, ça fait un bon dégât. Hein. Ça fait genre le tiers d'un dégât normal que je fais, donc... à chaque tour, pas mal. C'est un bon petit bonus de combat. De dégâts plutôt, mais... on va essayer par là. Je le sentais, je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était pas bon, mais. Je me suis dit, on va quand même tenter. Ça va pas lui faire grand chose, ça. Tiens, prends ça, toi. Le temps qu'il lance sa lune, en fait, il a régène, donc il peut le lancer non-stop. Alors que là, il faut attendre 5 pour... Voilà. Bon. Allez, on finit, là. Bon, bah pas là du coup.
On le voyait moins celui-là, donc c'était forcé que ce soit celui-là que. Mais bon. C'est pas grave, c'est de l'XP, on va se dire. Là, il y en a un. Et là, il y a rien. Bon, allez, avec un peu de chance, allez, on fait passer par-dessus parce que là, je vois qu'il n'y a plus rien derrière. Ils nous font sortir? Ouais. On a déjà battu Brandalis une fois, on n'a qu'à l'écraser pour de bon. La dernière fois, il ne cherchait pas vraiment à nous vaincre. Moi non plus, je me battais pas sérieusement. Hein. On savait qu'on pouvait compter sur l'âne. Il y a plus d'un tour dans son sac. Ouais. Ça va être long cette histoire. Je veux un point de sauvegarde, s'il vous plaît. Bon, par contre, ça me fait déconner à moitié cette histoire de prendre sauvegarde parce que là, je peux vraiment pas arrêter quoi, entendre. Ah, on est en ligne droite cette fois. Qui sont les trois chevaliers de Owen qui sont devenus les envoyés? Je n'ai pas pu le confirmer moi-même, mais c'est une organisation militaire. Comme ils sont nombreux, ce n'est pas étonnant de n'avoir jamais vu ces trois-là. Il y en a tant que ça, sérieux? Oui, parmi eux, ceux qui ont un nom et un numéro sont les plus dangereux. Chacun d'eux a détruit à lui seul une multitude de mondes. Il n'y avait pas de sauveur dans ces mondes? Oh, bien sûr que si. Il y en a, si on avait, si on n'avait pas, c'est l'intégralité du Goldplex des mondes qui auraient été détruits. Mais ils ont tous un nom, ces envoyés, non? Oui, je les ai entendus les utiliser. Mais je ne les avais jamais vus tous au même endroit avant. Tout ira bien. Les sauveurs et nos mirages nous aideront à protéger les morts. Ouais, hey, qu'est-ce qu'on attend? Finissons-en. Coffre. Il est cadeau celui-là. Ah, ça commence à être tout droit dans le chemin. Hein. On commence à avoir moins d'endroits. Est-ce que par hasard, on s'approcherait du bout ou moins d'un point de sauvegarde, s'il vous plaît? Non. C'est coupé à gauche. J'ai pas l'impression qu'il y a un coffre et je m'en fous en fait. C'est bon, les coffres, c'est très intéressant un coffre, mais là, je veux un point de sauvegarde. Ah ouais, ils sont en paquet en plus, hein. Continuer avec un tapis de sable, hein, ça a l'air de leur faire pas mal. Ça va être pas mal efficace. Prochain tour, faut que je la heal, elle. Allez, on le finit là. On va espérer finir aussi avec le foutu labyrinthe de chaîne là parce que. Allez.
point de sauvegarde, s'il vous plaît. Ça se trouve, j'en ai croisé que j'ai évité, quoi. C'est ça, le truc. Bon, bah, on va tenter à droite, même si, à mon avis, du coup, c'était à gauche, là, cette fois. Ah, non. Ah! Attendez, là. C'est quoi? C'est un point de sauvegarde? Mais ça fait quoi du coup celui-là? Il TP pas un trésor ou il TP sur des. Ou il nous fait TP des monstres sur la tronche? Au pire, on n'est pas à un monstre près, hein, je vais tester. Avec mon vol, il va m'envoyer à l'entrée. Je suis en train de capter. Bon, si c'est le cas, ils auront sûrement prévu un truc pour le retour. Teste ça. Voilà. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. On va le taper. Le taper, puis voilà. Ah oui, du coup après ils sont cassés, j'ai pas vu. Bon, point de sauvegarde, s'il vous plaît. Sympa. Et toujours pas de point de sauvegarde? Vous êtes sérieux? Il me stresse. Imaginons que là j'ai une coupure d'électricité. Hein. Imaginons. Je fais comment moi? Hein, bah, je suis obligé de tout recommencer. Je vais éviter de parler de malheur parce que ça m'est arrivé sur la tronche, puis je vais avoir la reconne. Et ouais, non, non, ça m'arrange vraiment pas du tout. Ça m'arrange pas du tout cette histoire de pas de point de sauvegarde. Je sais pas combien de temps durera l'épisode, hein, mais bon, je vais aller jusqu'au prochain point. On commence à pivoter, on commence à se rapprocher. Oh, un point de sauvegarde! Il y a un TP juste derrière. Mais on s'en fout d'un point de sauvegarde. Ah! J'ai pu sauvegarder! Enfin! Non, 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 je veux sauvegarder! Bien sûr que je veux sauvegarder! Oui, je sauvegarde! Ah! Bon! Eh bien, écoutez! On.
J'allais faire un jeu de mots en disant qu'on se l'enchaîne, mais non, on enchaînera dans le prochain épisode, hein, parce que là, clairement, les chaînes, j'en ai plein, hein. Et puis bah voilà. Et bah écoute, on se retrouve très bientôt, et je pense que, franchement, s'il reste 2 ou 3 épisodes sur la série, ça sera gros. Hein. Je sais qu'il y a un DLC, je sais pas encore si je le ferai ou pas. Ça, on en avait parlé, il me semble que j'en avais parlé dans un épisode. Je sais pas encore si je le ferai ou pas. Je sais pas ce qu'il apporte tant que ça, en fait. Je sais pas s'il apporte de l'histoire. Je crois qu'il apportait surtout des nouvelles bestioles. Donc je sais pas si il y aura un bout de scénario en plus. Et bah écoutez, allez, on s'abandonne ici. À toutes!